Spin-Minutes Live, gut, dann hello everyone, my name is Eidgott and today I will be running Tomb Raider 3 80%. Next to me, you can see him here, is Mesh. Hey! He is not technically a Tomb Raider 3 runner, but he will try to help. Je baisse un peu le son. Alright, let's start, start the timer in 3. Et donc du coup il commence direct le gars. Ok. Okay, so this is the third game in the Tomb Raider series. It's pretty much on the same engine as the first five Tomb Raiders, with smaller differences. And this is the first Tomb Raider that actually has crouching, as insane as it sounds, which we'll be using a lot in the speedrun. Quoi ça rame? Because crouching makes it really easy to get into corners, and corners is a thing that is very interesting in this game, because the game doesn't... Je vais relancer, je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est OBS qui aime pas trop. Seconds or whatever before you land, and then the animation of the throwing away of the flare cancels the stumbling animation. Here I do the first corner bug, and you just embed into the corner. Ah, ça a l'air mieux là. And then you land on top of it, as I said earlier. All right. Ah, du coup j'ai loupé le début avec OBS. Jumping faster than just sliding now? No, that was just to reposition. Okay. It's actually not faster. Jumping is faster than walking in general, but you ideally want to sprint all the time. Donc là, il a dit qu'en fait, si jamais on faisait des sauts, ça allait plus vite que courir normalement, que marcher quoi. Donc c'est le cas dans tous les Tomb Raider. Donc là en fait il y a deux clés à récupérer, là il va chercher la première et il est obligé de passer à droite pour faire un glitch plus tard à gauche. Ouais. Now, from now on, I'm going to kill all the enemies in this level because I will be performing a glitch later on where I need active objects, which is usually enemies killed. Okay, that's not good. Let's just save there in case I screw up the timing with the audio cue. You can also just take a medkit and run through, but since donc là il a activé un levier pour aller plus vite. Il a ouvert une porte qui est en haut et pour aller plus vite en fait il va faire un corner glitch, comme ça il va se retrouver téléporté tout en haut. Alors que normalement il devrait déplacer un bloc pour monter tout en haut. Et celui-là c'est un des... Il y a deux levels dans Tomb Raider 3 et celui-là c'est un des plus longs en speedrun parce qu'il n'y a pas beaucoup de glitch à faire. Donc du coup le niveau est quand même très long, je crois qu'il met autour d'un quart d'heure, 10 minutes un quart d'heure pour être fait. Alors que le premier level c'est plus 30-40 secondes. Et salut Tomo, comment ça va? Donc là pour l'instant il va faire le jeu normal, il va pas faire de glitch parce qu'il n'y en a pas de réalisable ici. Donc il va simplement aller chercher la clé.
Donc là, il va activer le levier qui va faire bouger le mur de pique. Donc faut qu'il se dépêche pour pas que ça le tue. Et quand il ramasse la clé, ça va lui ouvrir la porte de sortie. Donc il va pouvoir sortir directement. Donc là, faut qu'il fasse gaffe en sautant dans la flotte, là, dans la boue, parce qu'en fait, il peut se prendre les machins du mur qui tombent là-haut, les débris du mur. Moi, ça m'est déjà arrivé de me les prendre, c'est pas chouette. Ok, ça va. Donc là, il va devoir esquiver une boule. Donc là, il récupère d'abord les torches. Là, il va esquiver une boule. Normalement, c'est pas très compliqué de sauter au-dessus de la boule. Faut juste avoir le bon timing. Donc là, il y a deux passages à prendre. Lui, il prend celui de gauche parce que c'est le plus rapide. Et là, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va déposer une flare, une torche tout en haut. Et après, il va se dépêcher d'aller en bas. Et il va faire un corner bug pour que Lara soit dans le mur. Et le jeu va penser que Lara est au niveau de la torche. Donc là, par exemple, il est dans le mur. Donc là, le jeu pense que Lara est au niveau de la torche tout en haut. Donc du coup, ça va faire bugger le trigger de l'autre salle. Du coup, il n'aura pas fait l'énigme de l'autre salle. Il y aura directement l'eau dans le bassin, parce que normalement, le bassin est vide. Il faut faire tout un détour pour aller remplir l'eau. Et une fois qu'il sera dedans, bah, l'eau sera. Une fois qu'il va aller dans la salle, l'eau sera déjà remplie. Et du coup, il pourra choper directement la deuxième clé. Donc là, voilà. Là, il y a déjà l'eau, alors qu'en temps normal, le bassin est vide. Par contre, je sais plus à combien il est son record. Je sais que le record de Tomb Raider 3 est tombé il n'y a pas très longtemps. Donc le record, il est à 1h08:47 in-game. Non, c'est... Oui, la personne est allemande, oui, mais c'est un anglais. Non, non, là pour l'instant je traduis pas, j'écoute pas trop ce qu'il dit. Mais je pense qu'il explique sa run, il doit dire des choses intéressantes. Mais j'écoute pas trop. Je vais essayer d'écouter un petit peu, je vais monter un petit peu le son. Alors là, faut qu'il fasse une roulade, ou un saut, je me souviens plus, bon c'est une roulade apparemment. Pour se retrouver propulsé en haut de la plateforme. Ça lui évite de tirer un bloc et après d'aller sur le bloc et de sauter tout en haut. Donc là, il va actionner les deux leviers qui normalement vont ouvrir une porte. Sauf que le jeu est un petit peu buggé. Donc du coup, il va devoir aller tirer ce bloc-là pour déclencher l'ouverture de la porte. Et merci pour le host, Chonkal. Et salut à toi du coup. Comment ça va, Chonkal? Donc là, il va faire un petit pas en arrière, un petit pas en avant pour optimiser la durée pour tuer la statue. Parce que si on se recule trop, après, elle se protège et du coup, on peut plus lui tirer dessus parce qu'elle se protège. Donc ça prend trop de temps. Et j'ai vu, alors là je sais pas s'il va le faire. Essayer de faire donc non, il va pas le faire. Mais il y a possibilité de tuer les deux statues au même endroit. Et du coup de ramasser les deux épées en même temps. Salut B0812, comment ça va? Ou B0812, je sais pas comment ça se dit. Et bah bon app à toi, Chonkal. Donc là il va faire pareil pour optimiser le temps pour tuer la statue. Donc là, il récupère la deuxième épée.
il va aller la mettre tout en haut et après ça va ouvrir la porte. Donc là, il arrive dans une salle où en fait il y a trois clés à récupérer. Donc il n'y a pas de glitch à faire ici, il faut simplement aller le plus vite possible. Donc là, cette salle elle est un peu traite parce qu'il faut vraiment aller très très vite, sinon on se fait écraser par les pieux qui descendent en haut. Il y a un mur de pieux qui descend. Et si on a une demi-seconde de retard, bah on se fait avoir. Donc là, il a récupéré la première clé. La deuxième clé, elle est juste en face de lui, à droite. Donc là, il va la récupérer. Et la troisième, elle est derrière. Elle est dans l'eau. Donc faut qu'il fasse une énigme dans l'eau pour... faut qu'il active deux interrupteurs pour éteindre le courant. Et pour pouvoir aller chercher la clé. Et salut Akko, comment ça va? Au début du stream, j'avais OBS ramait énormément parce que je streamais directement l'écran de mon PC. Et finalement, je lui ai demandé de capturer directement la fenêtre Chrome. Et du coup, ça fonctionne. Donc, c'est cool. J'ai mis Chrome en plein écran et ça passe. Donc là, il récupère la troisième clé, il n'a plus qu'à la mettre et il finit le niveau. Et dans le level suivant, je crois qu'il n'y a pas de glitch majeur, je crois qu'il n'y a pas de glitch du tout. Donc là, il a mis 11 minutes sur le... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a peut-être trouvé un nouveau glitch. Celui-là, je le connais pas. Alors, à mon avis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Parce que j'avais déjà vu un petit peu ça. C'est qu'en fait, dans l'eau, s'il se met dans un coin sur un décor, il peut se faire propulser en haut de la plateforme. Donc, à mon avis, il va faire ça. J'avais vu ça un tout petit peu sur le net, mais... En tout cas, c'est un tout nouveau glitch. Ah bah voilà. Ah bah GG à lui, hein. Il y a personne qui l'a applaudi, il y a une seule personne. Ah, il a raté. Je pense qu'il a voulu refaire un corner bug pour se retrouver en haut. Ouais, je me demande pourquoi il a passé à sauvegarder tout à l'heure. Donc là, le principe, il a pris la torche, en fait, c'est pour que lorsqu'il retombe, Lara, elle plie pas ses genoux, elle reste debout et puis il peut continuer à courir, ça lui fait gagner du temps. Et c'est pas très compliqué à faire, en fait, quand t'as la torche. Il suffit que juste avant de tomber, il suffit juste de lancer la torche avec la même touche que pour sortir une torche, et c'est tout. Donc là, il est en train de faire un setup pour je sais pas quoi. Donc
Oh, GG. Oh, le saut courbé de l'enfer. Ah, c'est énorme. Mais c'est marrant parce que j'ai pas mal regardé ses runs et je me souvenais pas qu'il faisait ça. Mais ce niveau-là, même sans les glitches, il est quand même assez rapide. Parce qu'en fait, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est très très rapide et un qui est très long. Il suffit juste de prendre le bon. Donc là, il va finir le troisième monde et du coup, il va arriver au niveau du boss. Donc là, il y a un petit labyrinthe, mais bon, il connaît le chemin par cœur, donc ça va aller vite. Quoi, qu'est-ce qu'il a ton PC, Tomo? Il a. Donc là il fait juste courir plus vite possible. Il a utilisé la torche pour annuler sa descente, pour éviter que Lara plie les jambes et elle perde trop de temps. Donc comme ça Lara peut courir directement. Et là il arrive au niveau du boss, alors normalement s'il fait comme d'habitude il va aller choper le lance-grenade qui est au bout. Et après il va se mettre sur le boss pour le brûler de grenade. Et comme ça il peut récupérer directement l'artefact qui est la fin du niveau. Alors après je sais pas quel niveau il va choisir parce qu'ils choisissent pas forcément le Nevada. Donc là bah voilà, il choisit le Pacifique. Donc ce niveau là c'est pareil, c'est avec les glitches il est très très rapide. Il y a deux gros glitches à faire qui sont pas forcément très durs à réaliser. Par contre là je sais pas où il va. Ah si c'est bon. Non, j'ai rien dit, il va au bon endroit. Donc là c'est pareil, il y a deux chemins pour aller pour finir le niveau. Donc là il a raté. Normalement ce qu'il doit faire, il doit appuyer sur le bouton d'action. Lorsqu'il retombe, Lara va se retrouver sur la plateforme, il va... Donc là voilà, elle se retrouve sous la plateforme et le jeu considère qu'elle est dans un mur, donc il la propulse tout en haut. Donc là il esquive les trucs. Donc là quand il passe dans la lumière, il y a les espèces de pieux qui s'activent là-bas. Donc là il va sauter sur les pieux et il va sauvegarder. Parce que lorsqu'il va recharger... les pieux seront rétractés. Carte mère non modifiable. Donc là, il va se retrouver coincé dans le mur. Il va faire un corner bug. Donc là il a un peu raté. Et une fois qu'il sera dans le mur, donc là il va se retourner peut-être. Non, bah là il a pas fait la strat pour se retourner. Mais en fait une fois qu'il est dans le mur, il suffit juste de faire une roulade et puis Lara fait ça toute seule. Donc là il touche à rien. Il peut faire sortir les armes de Lara, la faire tirer et tout, c'est rigolo. Et en fait il n'y a plus qu'à attendre qu'elle arrive sur le pont. Et après il peut finir le niveau. Donc là je sais pas pourquoi il sauvegarde, peut-être parce qu'il a peur de se prendre le mur en faisant ce petit saut là. Donc ça c'est pareil, c'est un niveau qui est long. Mais il y a un glitch en fait qui casse absolument tout le niveau. Donc en fait il va pouvoir skipper absolument tout.
Et pas Sword Raider. Ah bah ouais, je veux bien, moi ça m'intéresse. Alors là, je sais pas pourquoi il a récupéré ces armes là. Alors, il y a un glitch à Londres. Donc, le niveau qui se fait en 30 secondes à Londres. Il y a un nouveau glitch qui est apparu pour finir le niveau avec le lance-grenade. Je sais pas s'il va le faire. Ça a l'air un peu chaud. Les dinos, mais on les voit pas les dinos, Lara elle y va pas. Elle a pas le temps. Donc là il va faire un petit setup qui est pas très compliqué, mais alors moi personnellement je sauvegarde tout le temps quand je fais ce glitch parce que il suffit juste de pas être bien positionné et après on meurt. Donc là faut juste qu'il fasse une roulade et qu'il appuie sur en fait il brûle la touche roulade et il fait un corner bug, il se retrouve propulsé en haut et le fait de faire encore une autre roulade, c'est pour ça qu'il faut bourriner. Lara passe à travers la plateforme. Donc là, l'interrupteur, il va permettre d'ouvrir une grille pour accéder au kayak. Je crois que c'est un kayak, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un bateau, quoi. C'est un truc qui va sur l'eau. Et c'est un raccourci parce que c'est pareil, il y a encore plusieurs chemins dans ce level là. Et là, il va prendre un chemin plus rapide avec le bateau. Merci Thomas, c'est gentil. Mais je pense pas. Ouais, c'est le kayak qui vient de le dire, donc effectivement, c'est bien ça. Donc là, il a juste à descendre avec le kayak, tout simplement. Et vers le bas de la descente, il faudra qu'il bloque le kayak sur une petite plateforme, sur un mur. Parce que Lara, dès qu'elle est en mouvement avec son kayak, elle peut pas descendre du kayak. Il faut absolument que le kayak soit stoppé pour qu'elle puisse descendre. Et comme il va arriver sur un endroit où il y a des courants, le seul moyen de stopper le kayak, c'est de le bloquer sur un mur. Donc c'est juste après. Je crois que c'est ici, là, c'est à droite. Donc voilà, c'est ici. Donc là, il essaie d'aller à droite. C'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de courants. Donc on peut facilement être emporté à gauche. Ah, il avait presque bloqué le kayak. Donc normalement c'est pas très compliqué de le bloquer le kayak. Et après il suffit juste de plonger dans l'eau. Donc il y aura du courant dans l'eau. Et pour que Lara remonte, parce que là avec le courant elle peut pas sortir la tête de l'eau, faut qu'il soit sur une plateforme où Lara a pied. Donc là il a déclenché un secret. Je sais pas comment, mais il a déclenché un secret. Et si Lara a pas pied, du coup elle peut pas sortir. Donc là, vu qu'elle a pied, elle peut sortir. Je sais pas pourquoi il sauvegarde là, parce que je pense qu'il aurait dû sauvegarder plus loin. Parce qu'il y a un saut très compliqué plus loin. Ouais, donc je sais pas pourquoi il a sauvegardé ici.
Donc là c'est ce saut là. Donc là normalement il va faire un setup. Alors pas ici. Donc c'est là. Donc là il va faire un setup pour mettre Lara dans une certaine position. Donc il va faire des pas à droite et pas à gauche. Là je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, c'est pour ça que je disais, je comprends pas pourquoi il a sauvegardé ici, alors que le saut qu'il vient de faire, c'est le saut où, où normalement on meurt tout le temps. Enfin tout le temps, j'exagère un peu parce que au début dans les speedruns il mourait tout le temps, maintenant il meurt de moins en moins. Mais bon, ça vaut quand même le coup de sauvegarder avant. Là je sais pas, il va pas re-sauvegarder là. Ah voilà, c'est mieux. Donc là il va faire un pas à droite, un pas à gauche. Donc je crois qu'il fait 5 trucs en tout. Ah il a changé son setup. C'est pas le même setup qu'avant. Et là il faut juste qu'il fasse un saut pour se positionner au-dessus. Voilà, donc là il a réussi. Parce que s'il est trop à droite, il tombe dans la flotte et il meurt. Et s'il tombe trop à gauche, il glisse sur la pierre et la pierre le fait tomber dans l'eau. Donc là il est tombé, je sais pas trop comment. Parce que normalement, il meurt jamais ici. Donc c'est assez bizarre l'endroit où il est mort. Donc ça c'est, je pense que c'est un des sauts les plus compliqués ce qu'il a fait tout à l'heure. Un des sauts les plus compliqués du speedrun. Et donc là c'est pareil, donc pour remonter sur le kayak il pourra pas sortir la tête de l'eau comme ça. Il faudra qu'il se mette sur, il y a une petite plateforme à côté du kayak sur laquelle Lara pourra monter et être debout dans l'eau. Pour qu'il remonte sur le kayak. Ah il a mangé le plafond, d'accord, j'avais pas très bien vu. Merci pour l'info Blazer. Et salut Blazer, parce que je t'avais pas. Je t'avais pas dit bonjour tout à l'heure. Donc là, il y a des cordes rouges et des cordes vertes. Donc les cordes rouges déclenchent des pièges et les cordes vertes font rien. Donc du coup là le fait que l'interrupteur qu'il a activé lorsqu'il a fait le saut où il est mort plusieurs fois, ça a ouvert ce truc, je sais pas comment appeler ça. Donc maintenant il peut descendre avec le kayak et là il y a la fin du niveau. Donc là faut qu'il aille sous l'eau pour activer un interrupteur pour que la porte de fin de niveau s'ouvre. Et là, faut qu'il fasse attention parce qu'il y a des crocodiles, donc il peut perdre pas mal de vie. Donc faut qu'il fasse attention à sa vie. Je sais pas combien il a de trousse de soins, mais. Ah, donc là, il a réussi. Donc là, il va arriver au dernier niveau du Pacifique, donc c'est le niveau du boss. Donc, c'est le boss le plus long. Si on compte pas le dernier boss du jeu. Parce qu'en fait, je suis pas juste de combattre le boss directement, faut faire tout un détour pour aller ouvrir la porte du boss. La chasse d'eau. Oui, voilà. La chasse d'eau. On va appeler ça la chasse d'eau, c'est pas mal. Donc là, faut qu'il active 4 interrupteurs en faisant attention de pas se faire one shot par les espèces de machins là qui roulent. Donc là au passage il a récupéré le cristal. Donc là comme il joue sur PC, le cristal il redonne un peu de vie. Alors que sur PlayStation il sert pour les sauvegardes. Et là quand il descend il y a 3 interrupteurs activés. Donc normalement il y a possibilité de tirer le bloc qui est à droite là pour bloquer les pieux qui descendent. Mais si on va assez vite en fait il n'y a pas besoin.
flashback to Indiana Jones, you can see the big boulder up there. Donc là, il va falloir qu'il se dépêche parce qu'il y a des boules géantes qui vont tomber. Donc faut qu'il sprint pour pas se les prendre. Et si on sort les armes, ça, donc comme il vient de faire, ça permet de pas avoir la caméra qui change. Qui change de. Donc la caméra reste focalisée sur la rade, du coup c'est plus simple de courir. Alors là, il va quasiment one shot le boss. Je sais pas s'il a le. Je crois qu'il a le lance-grenade. Et il y a une strat en fait pour. Donc je la connais pas très bien. Mais en gros, il va s'avancer un tout petit peu à quatre pattes, il va lui tirer dessus et le boss va exploser. Donc voilà, donc là il a réussi. Donc là il a one shot alors que normalement faut lui tirer dessus, après il met son bouclier, faut attendre un petit peu qu'il désactive son bouclier. Et après lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il meure et c'est plutôt long. Donc là pareil, il utilise un corner glitch pour se retrouver tout en haut alors que normalement faut faire tout un détour pour arriver à là. Il va en utiliser un deuxième pour passer ici. J'ai pour level B0812. Je sais pas comment ça se prononce ton pseudo. Ouais, sur PS1 le système de sauvegarde il est horrible, c'est clair. Il y a pas assez de cristaux, c'est trop punitif. Et salut Sester, comment ça va? En fait, je crois qu'il a dû passer à travers le bouclier du boss et il lui a lancé un lance-grenade. Il lui a lancé une grenade et il est mort du premier coup. Donc là, il va se mettre dans l'eau, il va essayer de plonger dans le coin du bloc. Et en appuyant sur la touche avant, parce que si on appuie pas sur la touche avant, ça marche pas. Donc là, il a raté. Il va se retrouver propulsé tout en haut. Donc ce qui se passe, si on appuie pas sur la touche avant et qu'on fait le bug, la rade va retomber dans l'eau. Donc là, faut qu'il fasse le bug en appuyant sur avant. Donc là, voilà. Donc là, il est retombé. Normalement, faut appuyer sur la touche avant et la rade retombe pas. Donc là il a réussi. Alors après le glitch qu'il va faire ici, c'est un peu comme le glitch qu'il avait fait au Pacific Sud. Donc il va faire un petit setup donc lui il l'a pas fait, bon il fait comme ça son setup, ok. Pour bloquer Lara dans le mur. Donc là il faut juste qu'il se positionne bien, donc Lara va arriver dans le coin du mur. Normalement il sauvegarde quand il arrive dans le coin du mur. Voilà, donc là il arrive vers le coin du mur, normalement il devrait faire une sauvegarde pour éviter de tout recommencer. Et ensuite il va tourner Lara et c'est à ce moment là que Lara peut sortir du mur. Donc là faut qu'il fasse attention. Et donc une fois qu'il est dans le mur, faut qu'il se mette bien perpendiculaire au mur. Ensuite il fait une roulade et Lara va continuer va continuer à bugger et va traverser tout le mur. Et une fois qu'il arrive tout en haut, je crois qu'il faut qu'il fasse une roulade pour s'en sortir. Là, il faudrait que je teste ce glitch là parce que je l'ai toujours pas testé. Ah. Et merci pour le follow. Zongo Lesasa. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Merci Fancy441 pour le follow. Non, je regarde pas Discord là. Oui, il y a des trucs sur Discord. Si tu veux sur l'écran, en fait les deux écrans, sur l'écran de droite je vois le stream et sur mon écran de gauche j'ai le chat et OBS. Donc là il arrive dans le Nevada, donc il a aucune arme. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sortir les... Merci pour le follow, Rêve2O703. Il va faire sortir les... Donc là, il va pas le faire, mais il va peut-être le faire plus tard.
pour sortir des prisonniers qui vont aller abattre les gardes. Comme ça, Lara pourra récupérer les items qu'ont les gardes. Alors la dernière fois, c'est marrant, il est resté bloqué dans les jambes du flic. Donc en fait, il pouvait plus bouger, donc il était obligé d'être mort. Et c'est dommage parce qu'en fait, il avait beaucoup d'avance sur son run, donc du coup, il était obligé d'arrêter. Alors attends, je vais regarder un peu où j'en suis dans le chat. Il a fait Rock and Launcher. J'ai même pas vu. C'est privé sur Discord. Donc là pour l'instant il n'y a rien de particulier, il fait le niveau normal. Merci pour le follow. Alors là, je ne saurais pas prononcer ton pseudo, mais merci pour le follow. Vu des photos sur des. Alors là c'est rigolo, il va faire un glitch. Alors au début j'avais pas compris comment fallait faire. Alors en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va sauvegarder. Il va faire une sauvegarde quand le garde va arriver entre les portes. Donc là voilà, il fait une sauvegarde. Il va charger sa partie et pendant qu'il charge, il va re-sauvegarder. Et ce qui va se passer, c'est que le jeu va considérer que le garde est dans la porte pendant que la porte est fermée. Du coup, ça va tuer le garde. Donc en gros, pendant une frame, le garde est coincé dans la porte et du coup, il meurt comme ça. Salut RMZ, comment ça Merci pour le follow Titi 8645. Alors là, donc du coup en fait il est tombé. Normalement faut éteindre le feu, faut faire le tour pour éteindre le feu. Mais en fait on peut tomber facilement sur le feu sans mourir. Là il s'est dépêché d'aller dans l'hélice pour prendre un petit peu de dégâts et pas mourir. Donc là ici il va essayer de faire rentrer Lara dans le mur. Donc il va se mettre dans le coin. Donc il va donc Lara est dans le coin. Donc là il va marcher un petit peu, il va rouler, il va faire une roulade et Lara va se retrouver tout en haut du mur. S'il se plante pas. Parce que c'est possible de se planter. Donc là je sais pas ce qu'il fait. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là il a relancé le jeu. Ça va comme un chien écrasé. Donc là, il va refaire le bug, il va refaire le. Voilà. Donc là, Lara est coincée dans le mur. Il va emmener Lara jusqu'à un moment où en fait, il y aura une plateforme de disponible tout en haut. Donc là, il a réussi, voilà. Donc là il va faire un autre normalement. Alors celui-là il marche pas tous les coups. Si ça marche pas c'est pas grave, il peut s'accrocher à l'échelle. Donc là il va essayer de coincer Lara dans le mur et après en courant dans le mur il se retrouve tout en haut.
Donc là, normalement, il est censé désactiver les lasers, mais en fait, avec la caisse, il peut sauter au-dessus des lasers. Et du coup, gagner du temps. Parce que ça évite d'aller désactiver, tout simplement. Merci pour le follow, Price Atron 30. Donc là, il libère les prisonniers qui vont venir tuer les gardes. Et Lara pourra récupérer les items que les gardes font tomber par terre. Donc là, c'est un espèce de page, je sais plus comment il s'appelle l'objet, pour ouvrir la porte qui est juste après. Ah, salut Kalagen, comment ça va? Alors là, faut qu'il se dépêche pour aller de l'autre côté. Alors lorsqu'il va activer l'interrupteur, il y a un laser qui va apparaître, donc le laser peut tuer le garde. Donc là, voilà, il a tué le garde. Et lorsque Lara saute, faut pas qu'elle touche le laser, parce que sinon le laser one shot Lara, donc Lara meurt direct. Donc là, il l'a pas fait, mais si jamais on veut assurer le saut, on peut se faire sortir les armes de Lara pour que la caméra se recentre sur Lara. Donc là, il va faire tomber Lara, il va rester appuyé sur le bouton d'action et puis il va le lâcher au dernier moment. Ce qui fait que Lara va un tout petit peu s'avancer lorsqu'elle va tomber. Et va tomber sur la plateforme. Va tomber sur la plateforme plus haut. Et du coup, elle sera pas morte. Parce que si elle va directement au sol, si elle tombe pas sur la plateforme, en fait, elle meurt. Donc ça lui permet de gagner un tout petit peu de hauteur et de pas mourir. Par contre, il faudrait qu'il ralentisse un tout petit peu parce que après, j'ai pas le temps de tout expliquer. Donc là, par exemple, il y avait un ventilateur pour qui, non, c'est pas un ventilateur, enfin bref, une hélice en fait qui aspirait Lara. Et donc lui, il a fait un glitch. Alors je pourrais pas expliquer comment il a fait, qui fait que Lara, que l'hélice est pas activée. Alors là, dans la nage, normalement, il y a un glitch qui est facile. Donc là, il va passer à travers la plateforme. Juste en nageant tout simplement. Alors là, il va refaire un autre glitch qui est pas très compliqué à faire, mais qui je n'ai pas réussi la dernière fois. Donc là, s'il passe par la droite, il y a une texture qui sera pas disponible, donc il va pouvoir passer à travers. Normalement, il y a une grille, il y a une espèce de porte en verre qui l'empêche de passer. Et là, elles apparaissent pas. Qui va pouvoir passer à travers. Donc là, il va récupérer la grande trousse de soins. Il va aussi récupérer les Desert Eagle. Il va pas ramasser les pistolets parce que les pistolets, il va les récupérer automatiquement dans le niveau suivant. Donc ça, ça lui fait gagner du temps le fait de pas récupérer les pistolets. Donc là, normalement, c'est un saut sur le côté. Voilà. Et là, il va refaire un corner glitch pour se propulser tout en haut de la plateforme. Et aller tuer un garde pour récupérer l'objet qui ouvre la porte. Donc voilà, donc là, il est tout en haut. Maintenant, il va monter ici. Il va tuer le garde, récupérer l'objet et descendre. Et puis après, il sera juste à côté de la fin du niveau. Et GG Kalagen pour le level. Non, non, je fais juste du TR, moi. Ah bah non. TR c'est la vie. Non non, je fais que TR3 et après j'arrête. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a après TR3. J'ai plus le planning sous les yeux. Ouais, ralentir dans un speedrun. Je crois que c'était le cas dans Portal 2. Jamais vous avez l'occasion de regarder le run de Zenernicus à la EGDQ de je sais plus quelle année, de il y a 2-3 ans. Ah, les commentateurs, ils sont un peu perdus parce que le gars va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'expliquer les glitches. Il y a une vitesse d'exécution assez impressionnante. While there's enemies chasing you, and the problem is they can't
well, they can run into you, and then you're stuck inside them, and then you die. Because you don't want to kill them as slow. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été chez Todd, mais ouais, avant, tantôt j'allais chez Todd. Donc là, il sauvegarde. En fait, ce qu'il va devoir faire, c'est tuer le garde. Donc là, il y a un garde qui va courir, donc il va devoir le tuer. S'il le tue pas, ce qui se passe, c'est que le garde va appuyer sur un bouton et il va faire apparaître des lasers qui one-shot Lara. Et du coup, après, il va devoir faire tout un détour pour éteindre ses lasers. Donc le plus simplement possible, c'est de tuer le garde pour pas qu'il active les lasers. Salut Resident Evil, comment ça va? Alors là, je vais voir comment il va faire parce que normalement il y avait une route et j'ai l'impression qu'elle a été modifiée récemment. Donc on va voir s'il va faire la nouvelle route ou pas. Donc là, il fait la route habituelle. Donc là, il fait juste qu'il sprint. Il faut qu'il se prenne le mur pour voilà. Donc là, il s'est pris le mur. Enfin, il n'y a pas besoin de se prendre le mur, mais ça, en fait, ça coupe les mitraillettes. Donc là, il active un interrupteur pour faire soulever la grille par laquelle il va passer ici. Je vais bouger le chat pour qu'il soit plus simple à lire. Mince. Ah! Donc là en fait il est arrivé au niveau de la fusée. Donc normalement ce qu'il faut faire c'est faire décoller la fusée. Donc là il fait la même strat que au début du Nevada. Donc il met Lara dans le mur. Ensuite il lui fait faire une roulade. Donc Lara va être buggée dans le mur. Une fois qu'elle sera coincée dans le mur, il faudra qu'il appuie sur le bouton de roulade, je crois. Donc là, normalement, il va sauvegarder. Parce qu'une fois qu'il est au sol, c'est facile de ressortir du mur. Donc là, voilà les sauvegardes. Donc là, il va devoir glisser jusqu'à l'autre côté. Donc avec la touche avant. Donc là, il faut juste qu'il appuie sur la touche avant. Il faut vraiment qu'il soit perpendiculaire au mur pour le faire, sinon ça marche pas. Donc là, à chaque fois qu'il essaye que Lara retombe, c'est parce qu'il est pas bien perpendiculaire. Voilà. Donc là, après, faut qu'il retourne Lara. Alors, faut qu'il la retourne doucement. Enfin, faut qu'il appuie sur les touches doucement, on va dire. Parce que sinon, Lara sort du mur. Et une fois qu'il est de l'autre côté, il a juste à faire une roulade et Lara est propulsée en haut. C'est pas très compliqué à faire avec les sauvegardes, ce glitch. Il suffit juste de savoir quoi faire. Sur PlayStation 1, ça doit être plus chaud parce que s'il n'y a pas les sauvegardes et qu'on est obligé de recommencer à chaque fois. Alors là, il l'a pas fait, mais normalement, il y a un glitch qui permet d'éviter de faire popper les ennemis. Et donc là il récupère un CD qui va permettre d'ouvrir la dernière porte du niveau. Parce que c'est pas des lasers, ça sort, il traverse les lasers parce que c'est pas des lasers qui one shot. Il y a des lasers qui one shot et des lasers qui te font perdre de la vie progressivement. Et donc c'est ça. Là par exemple il y a d'autres lasers, alors normalement ça se verra pas parce que déjà sur le stream original ça se voit très peu. Il y a des lasers qui déclenchent en fait des mitraillettes. Alors là par contre c'est un peu chaud, je sais pas s'il va y arriver. Donc là il va faire un setup pour essayer de bloquer Lara dans le mur et passer à travers la porte.
S'il fait pas ça, il est obligé de faire un petit détour pour aller activer des interrupteurs qui vont ouvrir la porte. Donc là, il va bloquer la rat dans la porte, dans le coin du mur. Donc pareil, normalement, il devrait sauvegarder, voilà. Donc là, faut qu'il se mette accroupi, qu'il se mette ensuite pile face à la porte. Et après, je sais plus s'il appuie sur la touche pour se baisser ou s'il appuie sur la roulade pour passer à travers le mur. Et ça, c'est pas le bug le plus simple, hein. C'est un bug extrêmement dur à faire. Donc là, il a réussi. Ou pas. Il a raté. Mais ça arrive, j'ai regardé pas mal sur Twitch et ça arrive des fois qu'il rate. Donc voilà, donc là, il est sorti du mur. Au bout d'un moment, s'il n'y arrive pas, il va aller activer les interrupteurs, je pense. Ouais, voilà, faut qu'il le fasse doucement. Pour ça, faut qu'il appuie sur les touches doucement, c'est comme ça qu'il faudrait que je dise. Ah donc là il a réussi. Oh il avait pas assez de vie. Parce que non en fait non, il tombe de très haut. Il perd de la vie mais là en fait il avait pas assez de vie je pense. Et il a perdu beaucoup de vie. Donc là il va finir le level, donc là il va mettre le CD dans l'appareil pour ouvrir le vaisseau spatial. Je sais pas pourquoi ça ouvre un vaisseau spatial les CD mais là en l'occurrence ça ouvre la porte d'un vaisseau spatial. Donc c'est une sorte de TARDIS parce qu'en fait c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là le vaisseau est tout petit, quand il va se retrouver à l'intérieur le vaisseau va être gigantesque. Donc là plutôt que de faire le tour et de grimper à une plateforme, il va faire un corner bug pour se retrouver propulsé directement en haut. Par contre là je trouve qu'il a perdu un peu de temps, il aurait peut-être été plus vite de grimper avec la strat normale. Par contre là il a presque plus de vie. Ah c'est bon il s'est soigné. Et donc là, pour finir le niveau, donc là il n'y a pas de boss, il suffit juste qu'il ramasse l'artefact et qu'il ait assez de vie quand même pour. Donc là il a réussi. Donc là il va aller à Londres, je crois. Donc ça c'est le niveau le plus court du jeu. C'est un level sans glitch en plus parce qu'en fait il va se servir d'une pente pour faire un petit saut et se retrouver sur le toit des immeubles. Pour finir le niveau. Donc là il est sur la pente, il fait un saut à gauche, donc il fait juste ça, il reste appuyé sur saut, plus gauche, c'est tout. Et il saute sur le toit. Et le trigger de fin de niveau est juste là, donc en fait il est juste à côté du début du niveau. Donc là il a mis 35 secondes, donc c'est pas mal. Je crois que j'ai vu encore mieux, mais je sais plus c'est combien le record. Il y a moyen dans le niveau juste avant qu'il vient de faire de bloquer la rat dans un mur et avec le lance-roquette de lancer une roquette sur le trigger de fin de niveau. Le jeu va penser que la rat c'est le. Que la rat c'est le. Comment on dit? Bah c'est la roquette et du coup il va considérer que le niveau est fini. Mais ça a l'air quand même très dur à faire et puis en plus il faut ramasser le lance-roquette. Mais je crois que du coup le niveau il se fait en 20 secondes quoi, un truc comme ça. Et heureux qu'elle a gagné. Should have happened in the game. We'll see in just a bit.
Donc là, il a lancé une torche de l'autre côté. Je sais pas si parce que sauvegarder, généralement il sauvegarde ici les gens. Donc là, il l'a pas fait. Donc en fait, il a lancé il a déclenché le métro. Il a fait popper aussi un gars, il a dit. Il a laissé une torche tomber. Et lorsqu'il a fait le corner bug, le jeu pense que Lara est au niveau du. Le jeu a pensé que Lara est au niveau de la torche. Et du coup, il va pas déclencher les triggers. Donc normalement, quand il passe ici. Il est censé avoir des barrières et pour les ouvrir, faut aller chercher un jeton, faut faire tout un détour. Donc là, en fait, il a skip le trigger pour passer tout de suite. Alors là, je sais pas pourquoi il va par là. Parce que normalement, on va pas par là pour finir le level. Il n'y a pas une piscine dans ce jeu là. il doit avoir une piscine dans le manoir de Lara. Donc là je pense qu'en fait il a loupé un trigger. Je pourrais pas expliquer ce qu'il a raté. Mais normalement le niveau est censé être déjà fini. Ça existe encore des rats aussi gros. Bah dans les jeux vidéo tous les rats sont super gros. Moi je me rappelle de Baldur's Gate sur la PS2. Les rats étaient absolument énormes. Donc là, j'ai pas très bien compris ce qu'il a fait. Il a dû l'expliquer, mais bon, je l'ai pas écouté. Donc là, ce qu'il fait là, normalement, il aurait pu le faire il y a 2-3 minutes. Et je sais pas pourquoi il est pas parti là directement. Donc ce glitch là, normalement, il est pas très dur à faire. Donc là il se retrouve propulsé en haut, donc là il est encore raté. Donc il va se retrouver propulsé sur une grille en haut. Donc il va appuyer sur le bouton pour faire s'écrouler le métro. Enfin, en tout cas il se passe un truc, je sais pas trop quoi. Donc ça a changé un peu le sous-sol. Sous le métro, et là il va pouvoir aller à la fin directement. Et salut Wondermool, comment ça va? Oui, il y a deux streams, j'ai appris ça tout à l'heure. Il diffuse sur deux streams différents. Donc il y a un stream sur lequel il faisait Mirror's Edge et là ils ont dû changer, je sais plus c'est quoi le jeu courant. Et là c'est le deuxième stream où il stream du Tomb Raider 3. Donc là faut qu'il se dépêche un petit peu parce qu'il y a un mur de pique qui descend. Normalement il y a du temps pour le faire. Alors là, normalement, il va faire un saut qu'il devrait pas pouvoir faire. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marcher un pas et puis après, il va appuyer sur le bouton saut. Et il va pouvoir passer au-dessus des barbelés. Parce que normalement, s'il fait un saut normal, il se prend les barbelés. Donc là, en faisant un pas plus saut, et en lâchant après la touche pour marcher, il peut passer à travers. C'est pas très compliqué, mais on peut mourir, donc vaut mieux sauvegarder juste avant. Alors là peut-être il va montrer le petit glitch, voilà, là il est en train de le montrer je pense, le petit glitch. Si jamais on colle Lara tout en haut, si jamais on la frotte sur le mur, la tête de Lara en fait va sortir du mur et du coup il y aura un petit trou d'air on va dire. Et Lara pourra respirer. Et donc là ce qu'il faut faire c'est juste qu'il active plein de switches les uns après les autres pour ouvrir la porte de fin de niveau.
sound turned off, but I'm still driving it. And if you look at the top right and keep a close eye on my air bar, the air bar is not moving because the game doesn't actually think I'm in the water. And in a couple of seconds, you will also see what that means for the vehicle. Et donc là, après celui-là, il y a encore un interrupteur, si je dis pas de bêtises, activé. Donc celui-là, c'est l'avant-dernier. Et donc là, il va aller chercher le dernier levier. Normalement, on peut pas le faire d'un coup ce level. Faut aller activer un levier, sortir, prendre sa respiration. Mais le fait de frotter les murs et Lara, le jeu pense que Lara est hors de l'eau. Donc du coup, Lara peut respirer et recharger sa respiration. Donc là, il a dit qu'il pouvait pas finir le level. Peut-être parce qu'il pense qu'il n'aura pas assez d'air. Après, s'il n'a pas assez d'air, c'est pas très grave. Parce que quand il perd de l'air, après il perd de la vie progressivement. Et en bourrant dans les trousses de soins, en fait, il peut s'en sortir. Donc là, il va faire un glitch. Faut qu'il appuie sur roulade plus saut, je crois. Enfin bref. Pour que le jeu pense que Lara est toujours dans l'eau. Et du coup, il va pouvoir utiliser le... Je sais plus comment il s'appelle ce véhicule, il va pouvoir l'utiliser hors de l'eau. Et GG pour le level RMZ. Lisa, low cost, c'est ça. Donc là, il va sauter sur la... Il va sauter sur... je me souviens plus du nom de l'ennemi. Il va lui sauter dessus. Et vu qu'elle va utiliser son arme pour répulser Lara, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, on va dire que ça se dit. Il va faire un corner glitch. Il va se retrouver dans le mur. Et ça va le propulser tout en haut. Et donc en allant taper le truc d'électricité tout en haut, ça tue directement le boss. Et même si elle n'est pas sur la plateforme qui est électrifiée. Sophia Lag, merci Tomo. Et on fait tourner les serviettes. Donc là normalement c'est pareil, faut aller chercher un bateau. Faut faire tout un détour pour finir le niveau. Et là en fait il va le faire entièrement dans l'eau. Alors le truc c'est que quand il va dans l'eau, il a une deuxième barre en haut à gauche. Donc c'est une barre de froid qui diminue au fur et à mesure que Lara reste dans l'eau. Et pour qu'elle regagne cette barre, faut que soit elle aille hors de l'eau pour la retrouver, pour la remplir au fur et à mesure. Soit faut qu'il fasse une sauvegarde et lorsqu'il va charger le jeu, la barre sera pleine. Ça dit fidèle à Terre. Donc là il va faire un corner bug, donc il va se mettre à la surface de l'eau, il va plonger dans le coin du mur pour se retrouver propulsé en haut du mur. Et après il faut qu'il fasse des petites manips en fait pour que Lara se retrouve de ce côté là du mur et pas de l'autre côté.
Et là, il a juste à sauter de l'autre côté et la fin du niveau est juste après. Fais dans le tu sais. Tu fais le Lorraine. Donc là voilà, donc là il va terminer le niveau. Alors là, il est dans une espèce de pièce carrée. Donc il va devoir courir autour et les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Donc là, il va faire un corner bug pour faire croire que là est de l'autre côté et du coup déclencher l'ouverture de la porte. Alors que normalement, pour déclencher l'ouverture de la porte, faut courir beaucoup plus loin et revenir et faire un aller-retour plus loin, après. Mais là, le fait de passer dans la porte, du coup, ça lui fait gagner du temps. Et ça lui évite de faire un petit détour. Un point scénario. Il y a une météorite qui s'est écrasée sur la Terre. Il y a des artefacts à récupérer. Et il y a un méchant qui veut piquer les artefacts pour contrôler le monde, on va dire. Je crois que c'est ça le scénario. Si je me souviens bien, c'est un truc comme ça le scénario. Faut demander confirmation quand même, mais normalement c'est ça. Donc là, c'est les trains de la mine. Donc là, faut qu'il fasse gaffe à pas aller trop vite dans les virages. Parce que s'il va trop vite, le train déraille et la rame meurt direct. Par contre, faut pas qu'il aille trop doucement. Parce que des fois, il y a des petits endroits où il doit sauter. Et s'il a pas assez de vitesse, il se retrouve dans des trous. Et du coup, la rame meurt aussi. Et j'ai cru qu'il avait raté. Alors là, il va devoir passer des espèces de lames. Donc en fait, en courant et en faisant un saut, il peut passer à travers facilement. Alors là, normalement, il y a un nouveau glitch. C'est un glitch qui est utilisé dans Tomb Raider 2. Je sais pas s'il va le faire. C'est pour plonger sans prendre de dégâts. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça le gêne le casque? Je pense que c'est parce que quelqu'un a fait un don pour le coiffer. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais c'est assez énorme. Donc là, il va préparer son setup. Il va plonger, il va se retrouver pile entre le mur et le sol. Du coup, Lara va pas se rendre dégâts et il va se retrouver en bas directement. Du coup, ça va plus vite que de descendre directement parce que pour descendre directement, faut qu'il s'accroche sur des petites alcôves comme ça et qu'il aille tout à gauche, qu'il descende, qu'il aille tout à droite, etc. Donc en fait, en faisant un plongeon, ça va beaucoup plus vite. Va le faire un lifting. Très nouvelle. Et salut TK, comment ça va? Qui ne s'en souvient pas? Bah déjà si tu te souviens du. Si tu te souviens du wagon, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que t'as été loin dans le jeu. Quasiment la fin du jeu. Je veux pas qu'on me coiffe en speedrun. Ouais. So we tested this a little bit beforehand,
Donc là c'est le jeu normal, donc là pour l'instant il suffit juste de passer sans se prendre de dégâts. Donc là normalement il va devoir revenir près du wagon où il était. Près du wagon où il s'est arrêté. Voilà, donc là il va retourner près du wagon, et plutôt que de prendre le wagon et de retourner au début, en fait il va faire un corner bug et il va faire comme au Nevada. Pour passer le mur et pour remonter la pente. Donc là il sauvegarde, il va essayer de coincer Lara dans le mur. Et une fois que Lara est bien parallèle au mur, enfin là faut qu'elle soit juste un petit peu parallèle au mur pour faire une roulade et pour que Lara remonte toute seule. Donc là en fait il a plus rien à faire, là il a plus qu'à attendre. Il peut tirer avec ses armes, il peut sortir ses armes, il peut changer d'arme. Il peut faire prendre une torche à Lara, il peut la lancer, il peut tout faire. Mais ça va rien changer. Donc là ce qu'il fait, il attend, c'est tout. Et Lara va sortir toute seule du mur une fois qu'elle sera tout en haut. Personne ne touche à mes cheveux. attends, ça va trop vite le chat là, je regarde pas trop. À chaque fois qu'elle meurt, tu as ses cheveux. Pour remonter la pente, pas mal. Alors là, pour finir le niveau, bon, il y a toujours pas de glitch qui ont été découverts pour finir ce niveau rapidement. Il faut qu'il aille chercher deux items principaux, deux objets principaux. Faut qu'il aille récupérer une batterie et un levier. Une fois qu'il aura la batterie et le levier, il va devoir les poser un peu plus tard dans le niveau. Pour faire descendre un espèce de sous-marin et ouvrir une porte qui est en dessous du sous-marin. Et la porte va lui permettre de sortir du niveau, un peu plus loin. Et le seul moyen pour l'instant d'ouvrir la porte aujourd'hui, c'est d'avoir ces objets-là. Donc peut-être qu'un jour il y aura un glitch qui va permettre que la porte soit ouverte sans ramasser ces objets-là. Parce que du coup le niveau est un petit peu long par rapport aux autres. Du coup, je regardais pas ce qu'ils faisaient là, donc là, je sais pas ce qu'ils font à ses cheveux là, mais. Ah, ils lui font la coupe de Lara, c'est ça? Ils lui font une tresse un peu comme Lara. Donc là, il va aller ouvrir la porte, ou alors la porte s'ouvre toute seule parce que je crois qu'elle peut être activée de l'autre côté, voilà. Oh. Donc là, il a une super coupe. Donc là, par contre, faut qu'il se dépêche de sortir de l'eau parce qu'il perd de la vie. Ou alors, il peut sauvegarder et charger sa partie pour recharger la barre de froid. Je sais pas comment ça s'appelle cette barre, mais moi j'appelle ça la barre de froid. Donc là il a récupéré le levier. Et par contre du coup ça lui fait perdre du temps. Et je sais pas ce qu'il fait là, il s'est arrêté, il aurait pas dû.
That's great. Because it's all for a good cause here, and we're just trying to have fun. Also. Ça, je sais pas, c'est normal ça. I think I just did a soft lock accidentally. Il dit qu'il a softlock le jeu accidentellement. Mais je savais pas que c'était possible de rentrer dans ce mur là. Je crois qu'il a pas fait exprès. Donc là, faut qu'il fasse un glitch, faut qu'il aille dans le mur. Et une fois qu'il sera dans le mur, faudra qu'il se retourne un petit peu, qu'il aille en avant, pour qu'il se retrouve propulsé en haut de, à l'étage du dessus. Parce que si jamais il se retourne pas, et qu'il fait avant, en fait, il va rester en bas, il sera pas propulsé en haut. Alors ça, par contre, ça me dit rien, ce glitch là. Bon, ça c'est un glitch qui doit être plutôt récent parce que je me souviens pas l'avoir vu. Comme Sonic 3. La comparaison entre Tomb Raider 3 et Sonic 3. Donc là il se retrouve tout en haut des rails, du coup il se retrouve dans la première zone du jeu. Et c'est la zone où en fait il va les récupérer. Donc là il avait récupéré le pied de biche tout à l'heure. Donc il va s'en servir ici. Et dans la salle il va récupérer la batterie qui permettra d'alimenter le mécanisme qui va permettre de faire couler le sous-marin. Et d'ouvrir la porte aussi en même temps en bas du niveau. Donc là il prend le dernier wagon pour aller jusqu'au mécanisme. Donc là le passage en wagon pour atteindre le sous-marin, c'est le plus facile, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas beaucoup de pièges, contrairement aux autres wagons. Il n'y a pas trop à gérer sa vitesse, il y a juste à se baisser sur la fin, et c'est tout. Donc là il a raté, il va mettre le... Alors j'ai pas suivi pourquoi il est mort de rire, je pense que c'est à cause de sa coupe de cheveux. Donc là il a mis la batterie, maintenant il va mettre le levier, le sous-marin va descendre et la porte en bas du niveau va s'ouvrir. Alors je pense qu'il va pas être dans le sous-marin, je pense qu'il va aller directement tout en bas du niveau parce que comme il utilise les sauvegardes pour récupérer sa barre de froid depuis tout à l'heure, je pense qu'il va faire ça. Yeah, you should probably not Google that. I'm not gonna name drop. Not that it's that related, but also it's kind of hard to find. But no, you don't. Donc là, pareil, il va sauvegarder, il va recharger plusieurs fois. Trust me. Pour remonter tout en haut. Oh, come on. Now they can nearly Google it. That should be enough. Yeah. Anyways, we're gonna finish the level here. Donc là voilà, il a fini le niveau, donc là il va arriver dans l'avant-dernier level. Et il va faire un très gros skip dans ce level là, qui va lui skip absolument tout le niveau, parce que ce niveau là est très long. Sans les glitches, il y a 4 épreuves
à réaliser. Et du coup, ça va lui permettre d'éviter de faire ces épreuves-là. Donc là, ce qu'il faut faire pour réussir ce glitch-là, faut qu'il fasse, voilà, faut qu'il se mette dans la, dans le coin du mur, qu'il tourne la rampe face au mur et qu'il appuie sur la touche de roulade. Je suis mort sur cette trousse de soins. Tu parles de laquelle? Celle où tu remontes juste après l'eau, c'est ça? Donc là, il pourrait prendre l'échelle pour grimper tout en haut, mais ça va plus vite avec les bugs. Donc c'est plus rigolo. Donc là, il va essayer de se propulser en haut de la plateforme. Et donc là, faut qu'il active le premier, le deuxième et le cinquième interrupteur pour ouvrir la grille en dessous. Normalement, il devrait sauvegarder bientôt pour son glitch. Donc là, il va prendre une torche. Il va la faire tomber par terre. Et plus loin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer Lara dans un coin de mur. Pour faire croire au jeu que Lara est toujours au niveau de la torche. Donc là, il va faire un petit saut qui peut être. Voilà, il a failli louper le saut. On peut le louper assez facilement ce saut-là. Donc là, il remet la torche par terre. On peut le faire one shot ce saut-là, on peut sauter directement, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, il va faire un saut. Normalement, il va se bloquer dans le mur et à ce moment-là, le jeu va penser que l'arrêt est au niveau de la torche. Je crois qu'il n'est pas très sûr. J'ai pas suivi trop ce qu'il a écouté, mais je crois qu'il n'est pas très sûr d'avoir réussi son glitch. Et s'il l'a réussi, en fait, ça va skip en fait la fin du niveau. Normalement, à la fin du niveau, faut récupérer 4 masques, récupérer une clé. Pour Voilà, donc là il a réussi. Donc là normalement ce qu'il a fait normalement il peut pas passer parce qu'au niveau des au niveau de la lumière normalement ça le tue quand il passe dessus. Et le fait d'avoir bloqué Lara et d'avoir mis une torche de l'autre côté, le jeu pense que Lara est de l'autre côté, du coup ça déclenche pas le trigger qui fait que ça tue Lara lorsqu'il passe. Donc là il est dans le dernier level, donc là il faut juste qu'il tue le boss normalement. Donc il a pris le Desert Eagle pour que ce soit plus rapide. Et donc là, faut qu'il récupère les 4 artefacts. Et une fois qu'il les aura récupérés, faut qu'il le retue encore. Et là, il sera tué définitivement. Donc là après celui-là voilà, donc là il en ramasse un, après il en reste un. Alors je sais pas trop pourquoi il sauvegarde, mais pourquoi pas, on sait jamais. Donc là maintenant il a les 4 artefacts, donc maintenant il va pouvoir donc là il y a la boule qui va tomber. Et maintenant quand il va tuer le boss va pas pouvoir se régénérer, du coup va mourir. Donc Lara va pouvoir s'échapper. Parce que là une fois qu'il l'a tué, c'est pas fini, faut qu'il s'échappe. Salut Chris Mitchell, comment ça va? Je joue pas à terre. Hein. Pour l'instant, je joue pas à terre. Hein. Donc là, il y a du Terre 3 à l'ESA. Donc là, il est à la fin à la fin du jeu. Donc du coup, il va être au-dessus de son estimate, je pense. Going back to the single segment. How much stuff did I think is it's gonna be? Oh, like a
numbers. No. I guess, yeah, I guess I go overestimate. Oh, it's okay, we did the braiding and the... Yeah, exactly. Yeah. Donc là, il joue un peu safe, il y va doucement. Normalement, on peut le faire rapidement, mais c'est un peu chaud parce que si on se rate, on meurt direct. Donc là, il suffit juste de s'échapper. Et de prendre, il y a un hélicoptère à la fin du level qui correspond en fait à la fin du jeu. Donc là, il y aura juste un dernier glitch à faire. Qui va faire, je pense. Alors, il n'est pas forcément très simple à faire parce que j'ai déjà vu, souvent il rate ce glitch là. Enfin, ça arrive qu'il le rate. Donc là, il va faire un petit setup. Ah bah là, il le fait pas. Donc normalement, il fait un trigger juste derrière pour se propulser tout en haut d'un... En fait, il fait un corner bug pour se retrouver tout en haut d'un bâtiment. Et le fait de faire ce bug-là, la porte juste à côté de là où est Lara, donc là où il est, elle est ouverte. Donc du coup, il peut finir le level directement. Donc là, pour que la porte soit ouverte, il faut qu'il attende que l'hélicoptère atterrisse. Alors, est-ce qu'il va faire... une 26. GG à lui. Donc il a fait une minute de plus que son estimate. Alors j'espère qu'il va montrer le temps in-game. Parce que des fois sur les événements comme ça, ils mettent pas forcément les temps in-game. Voilà, donc là déjà ils ont coupé le truc, donc... Donc voilà, donc GG à lui. Et il stream assez souvent. Alors je sais pas s'il streamait pour que pour se préparer à Tomb Raider 3, mais il stream assez souvent. Donc il y a pas mal de gens qui stream assez souvent. Sur TR3, il y a Tales Gaming qui a décroché le world record il y a pas très longtemps. Je sais plus qui d'autre stream aussi du TR3 régulièrement. J'ai plus les noms en tête. Donc voilà, donc je viens de louper la liste sur le prochain jeu. Je sais pas quel est le prochain jeu. Alors la chaîne, je vais te la donner. Hop. Je te la mets dans le chat, la chaîne. Alors, en fait, il y a deux streams pour le SA. Il y a un stream principal et ce stream là. Alors je sais pas pourquoi il y en a deux, j'ai pas très bien compris. Et donc du coup ils font des jeux différents. Bon bah sur ce je vais vous laisser. Je vais aller manger un petit truc et peut-être que je restreamerai tout à l'heure, je sais pas. Enfin, peut-être que je jouerai tout à l'heure, on va dire. Parce que pour l'instant j'ai streamé mais j'ai pas joué. Donc peut-être que je jouerai, je sais pas encore à quoi. Peut-être au jeu que le double m'avait offert. Il m'avait offert un code de jeu, donc du coup j'avais eu un petit FPS Aurore, donc peut-être que je le streamerai. Donc je verrai. Donc bah, je vais vous laisser là, et puis merci d'être passé, puis à toutes. Allez, salut!